Voilà, moi, c'est un record. Forcément, c'est un excellent souvenir, quelque chose de très spécial pour moi et pour beaucoup de gens. Ça a été un moment très impressionnant à vivre. Les images de ce but resteront toujours gravées en moi. C'était impressionnant et bon, c'est une image, un record qui quedera pour toujours. Non, c'est important pour moi. Non, ce n'est pas important pour moi de marquer l'histoire. Ce n'est pas ça que je recherche. Ce qui compte à mes yeux, c'est d'en faire partie. J'ai eu la chance de vivre de grands moments sur le terrain et j'en suis simplement fier. Je pense que l'Espagne a une grande équipe. C'est une grande sélection qui a le potentiel pour faire encore de belles choses. Après gagner une deuxième Coupe du Monde, on verra. On essaiera en tout cas. On fera tout pour aller le plus loin possible dans la compétition. On sait que la tâche sera compliquée, mais ce qui est sûr désormais, c'est que l'Espagne a gagné le respect. Aux yeux de tous, c'est une sélection qui compte dans le monde. Se ha ganado el respeto de que sea una selección que se tenga en cuenta. Hay selecciones que son las favoritas históricamente por mundiales, por Ce sont bien sûr les sélections historiques, le Brésil, l'Italie, les Pays-Bas, l'Allemagne, la France, l'Angleterre. C'est difficile d'en choisir une parce que toutes comptent dans leur rang de grands joueurs. Es difícil quedarte con alguna porque todos cuentan con muy buenos jugadores. Bueno, para mí siempre es una selección candidata a hacer las cosas muy bien. Pour moi, la France fait toujours partie des sélections candidates pour réaliser de grandes choses. Comme toutes les sélections, elle a vécu des hauts et des bas, mais elle a des joueurs de très haut niveau qui peuvent l'emmener loin. Muy buenos y otros no tan buenos. Pero sigue contando con jugadores de muchísimo nivel para hacerlo bien. Bueno, él es un jugador que siempre ha tenido un. C'est un joueur qui a toujours évolué à un très haut niveau, que ce soit au Real Madrid ou quand il jouait à Lyon. Je pense que c'est l'un des meilleurs attaquants du monde. En el Lyon, ¿no? Entonces es uno de los mejores delanteros.